Depuis 2022, Garmin a commencé à intégrer les fonctions tactiles à ses montres les plus prestigieuses. Bien que la fonction est très pratique, elle peut parfois être ennuyeuse. Si on veut activer ou désactiver rapidement la fonction, toutes les montres sont pareilles. Ici, on a une Fenix Tactics et Epix, mais comme l'écran de la Epix est plus belle, on va faire le tutoriel avec cette montre. Donc, comme tu peux voir, l'écran tactile est activé. Mais si rapidement je veux la désactiver, eh bien, à partir de n'importe où, je peux appuyer et maintenir sur le bouton Light, ici en haut à gauche. Et tu vois ici la fonction tactile, c'est le doigt ici qui appuie sur l'écran. Donc, si j'appuie ici, je viens de désactiver la fonction. Naturellement, je ne peux plus le réactiver en appuyant dessus car je viens de désactiver la fonction tactile. Alors, je dois glisser comme ça ici avec les boutons haut et bas jusqu'à tactile et je peux le réactiver en appuyant sur le bouton Start-Stop. Donc ça, c'est la méthode rapide pour le faire à partir de n'importe où. On peut aussi modifier les paramètres par défaut selon les états de la montre. Je t'explique, si on vient dans le menu ici, donc on maintient le bouton menu, on appuie une fois en haut pour s'en aller complètement en bas de la page et on sélectionne Système. Et ensuite, on va descendre jusqu'à Tactile. Ici, on a trois états, donc l'utilisation générale, ça c'est comme en ce moment, pendant qu'on n'est pas dans une activité, pendant une activité et pendant le sommeil. Donc ici, tu vois, si je viens ici, je peux l'activer ou le désactiver. Lors d'une activité, par défaut, il est désactivé. Donc là, je viens de l'activer lors des activités, mais si on veut qu'il soit redésactivé, hein, ça va faire en sorte que ça va éviter que si tu sues sur ton écran ou que tu y touches accidentellement, ça fasse quelque chose sur ton activité que tu ne veux pas. Alors, par défaut, Garmin recommande de le désactiver, mais c'est vraiment à ton choix. Et pendant le sommeil, il soit désactivé ou en mode automatique. C'est un mode un peu plus intelligent pour pas que l'écran s'allume pour rien. Peut-être que tu fais juste l'accrocher ou quelque chose du genre. Mais il y a une autre façon de gérer l'écran tactile et c'est de se faire un raccourci, comme j'ai fait ici. Si j'appuie et je maintiens les deux boutons ici, tu vois, là, je viens de désactiver l'écran tactile, ça ne fonctionne plus. Si je veux la réactiver, je appuie sur les deux boutons, encore une fois ici, et voilà, maintenant elle est réactivée. Comment est-ce qu'on fait ça? On va venir ici dans le menu, encore une fois, donc on maintient le bouton, on appuie une fois en bas pour s'en aller complètement en bas, on s'en va dans Système, et on va descendre jusqu'à Raccourci, si je ne me trompe pas, bouton raccourci, voilà, juste ici. Et là, tu vois, ce que j'ai fait, c'est que je maintiens le bouton ici, Back... Back et down. Maintenir, enfoncer, down, start, back, plus up, back, plus up, back, up. Ça, c'est up, ça, c'est back. Donc, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai activé. Tu vois, ici, tu as une panoplie d'options que tu peux mettre quand tu viens mettre tactile ici, sur back, plus up. Mais tu pourrais le mettre sur une autre série de boutons si tu le souhaites. Mais maintenant, quand on va appuyer sur ces deux boutons-là, ça va activer et désactiver l'écran tactile. Et voilà, c'était les trois façons de gérer l'écran tactile sur ta montre Garmin. Alors voilà, j'espère que ça va t'avoir aidé. Si c'est le cas, tu peux me mettre un pouce en l'air. Si jamais tu te magasines une montre, tu peux regarder avec les liens dans la description. Et n'oublie pas non plus de t'abonner à ma chaîne pour me retrouver plus facilement la prochaine fois que tu as besoin d'aide. D'ailleurs, si tu veux voir d'autres tutoriels sur cette montre, tu peux cliquer sur la playlist juste ici. Mais enfin, tu peux aussi me retrouver sur ma chaîne principale où je voyage un peu partout dans le monde. Je suis certain que tu vas aimer. Allez, fais attention à toi. Salut!